Puis West France, c'est un rendez-vous, c'est le premier rendez-vous de la voile habitable en France, même en Europe d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'étrangers. On a plus de 400 bateaux inscrits au Spi West France. Et bah nous, on habite la Trinité, donc forcément, ça nous concerne directement. Ça agite bien le village, hein, quand même. Hein. C'est un événement vraiment important. Et pour tous les régatiers qui participent, c'est la première régate de la saison, quoi. C'est vraiment le lancement de la saison. Alors, ça court dans plein de catégories différentes. Hein. Il y a beaucoup d'habitables, des IRC, des bateaux qui jouent avec des ratings, des coefficients. Et puis d'autres, comme nous, où on joue en sportboat sur des bateaux monotypes où on court tous les uns contre les autres en temps réel. Ce bateau-là, avec le team actuel, ça nous permet, nous, de naviguer pendant tout l'hiver. On fait tous les entraînements, le championnat d'automne, le championnat de printemps. Ça nous permet de naviguer, de faire naviguer les gens, de rester dans une dynamique de navigation. Et là, pour nous, avec ce petit bateau-là, c'est un peu la dernière régate de la saison. C'est qu'on vient de mettre à l'eau le actuel ultime. Et puis, bah voilà, la saison sur le gros démarre avec tout ce que ça comporte, avec des moyens bien plus importants. Et puis, des perspectives bien plus importantes, c'est qu'on fait bien plus que de traverser la baie de Quiberon.